Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Comment va le caméraman? Ça va, matinal. Matinal. On est vendredi 8 octobre, il est quasiment 10h, on est déjà parti depuis un peu plus d'une heure, direction Quincennes déjà. Pourquoi on est parti vendredi? Car je vais aller faire quelques tours avec la moto de course, histoire de reprendre des sensations avec, vu que j'ai pas roulé avec la moto de course depuis Bali. J'ai roulé qu'avec ma moto et il y a 2-3 réglages qui changent par rapport aux suspensions et tout. Donc voilà, et je me suis bien entraîné pendant un mois et demi pour être prêt pour cette finale. On a de la chance, on a le soleil avec nous, il va être là tout le week-end, donc ça annonce un bon week-end. Et puis voilà, je me sens prêt et j'ai déjà hâte d'être dimanche. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Ciao! Les poignets, la colle, elle est passée à travers elle est dans le roulement. Ça du coup, il était à raide, mon pot. Je sais pas quoi. Le freestyler. Tranquille. J'ai roulé une bonne demi-heure en tout. On a peaufiné 2-3 réglages et au début j'avais un peu mal au bras. Et du coup, on a changé 2-3 trucs sur les suspensions et après ça allait vraiment mieux. Je l'ai senti direct de toute façon. Et puis voilà, ça a suffi une petite demi-heure pour se remettre en jambe avec la moto. Là, on va aller chez mon petit Kenny pour attendre jusque ce soir. On va manger avec lui, on va faire un petit coup de simu, de Formule 1 simu. Pour attendre ce soir que Thibaut et ma mère arrivent avec le camping-car et puis pour pouvoir aller à Quincennes. Voilà tout. Petite promenade dans Clermont. Et c'est pas une bière. Il est déçu, mais il attend que Kenny lui en donne une ce soir. On observe le pro. Regardez le gamer. Là, Chico en action, ça va être quelque chose. Chico dans le simu. Bientôt la place chez AlphaTauri. Pierron en sueur. Pierre Gasly en sueur. Bon, bientôt la fin de cette première journée. Il est 10h30. On va à Quincennes parce que ce soir ma mère et Thibaut nous rejoignent direct là-bas et du coup aujourd'hui testing sur la moto, on a changé 2-3 trucs comme j'ai dit tout à l'heure à l'amortisseur et à la fourche. Après on a été se promener dans Clermont et puis on a fini chez Kenny à la cool, on a mangé là-bas tranquille, en détente aujourd'hui, puis on a attaqué demain avec le contrôle technique, le tour de la piste, etc. Donc voilà, allez, on se voit demain. Arrivé, c'est boulette, hein. Ça donne envie là. Hein. Non, les scratchs, je te peux promettre, moi. Ouais, mais ça, vous savez, hein. On l'avait au premier point. T'inquiète, on a déjà vu. Tu peux pas avoir toutes les qualités, tu peux pas tout savoir. Bah, attends, t'es allé déjà. Ouais, parce que c'est bon, j'y ai été. Montage de la structure. Tu sais que le soir où le matin où t'as écrasé l'auto, j'ai trop mal. Un petit mot par la caméra. On est en train de monter la structure. La structure. La structure, la choupie. Attends.
qui est vachement éloigné de... Hay muchas bendiciones que me faltan. Necesito tu paciencia, yeah, yeah, yeah. Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara, yeah. Hay muchas bendiciones que me faltan. Necesito tu paciencia, yeah, yeah, ah. Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara, yeah. I don't feel the pressure, I get to that check quick. My niggas wanna test me, wow. They cannot be less lit. I come from that left side, won't move without discretion. These niggas from that block come for the top if you're not careful. But shawty make that dress fit. She doing something special, say she like to take direction. We both knowing where that's headed. So boys ain't got the leverage. When they come to you, you know I set the tone when I'm in it. Yeah. I would tell thugs from the bottom of the sinkhole. You can find me at the end of that reroll. Shawty record her thrills on a cell phone. I'm in a moment, I ain't worried about that B-roll. You know I'm on you. Let me get that mood boost. Fall through when the sun go down. I could tell you want me to. I just touched down in the town. Let's go OT to UOD. All these blessings at my feet. I could, I want for anything. Hay muchas bendiciones que me faltan. Necesito tu paciencia. Hablando rico, hablando caro. To come home, and I'm about to have a child. It's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Remember nights I cried, now we at the finish line. You was only 21 with a son on the run, though. You was living in the jungle. Got charged for a murder and some weed and a gun, though. You was moving like Rumbo. Did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young, though. You ain't never let it break, you stay humble. Le saut là, tu vois comment? Ah non, tu veux, il est easy, franchement. La moto à cale, le... Tu vois, si je la jette à droite, normalement, je mets un petit coup de frein avant parce que ça va toucher la crête de la pelle. Et après, je m'écrase au bout là-bas. Thank God that he gave you a second time. You got caught up in the field, but you still alive. For the fam, yeah, I know you never jeopardized. All the time that you did it only made you wise. To collect call 30 seconds, yeah, I love you. Learned a lot of life lessons from my uncles. This a letter to my pops up top. And it's still cops, I don't eat pork chops. Samedi soir, 9h20, avec le coach Simon Mallet. Ouais. Et Thibaut, la journée terminée, contrôle technique fait. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié de présenter un plus bel match au Get. Du coup, voilà, la journée terminée. Tour du terrain, contrôle technique, petite pétanque avec les gars. Je vais préparer une paire de lunettes pour demain matin les essais et les chronos. Puis ce sera bon pour ce soir. Je vais aller dormir. Voilà. DD, that's me. DD, that's me. DDOD. DD, that's me. DD, that's me. DD, you wear a hat, they gon' die. Me, I'm the dad in a hat. You just like covering clothes. Me, I'm the captain of the mask. Me, I'm the news for the road. My oldest, like counting racks. My middle one, she's in a dirt bike. My youngest, she's just like a road. My mama, the queen, I love her. She wants to be a half a bottle. But nothing is better than home. Driving through nights, I'm alone. Counting days till I'm on. I've been on road, I'm on go. But nothing is better than home. Clicking my heels like I'm Dorothy. I need new hobbies, it's boring me. Play all my kids and it's water me. Like a
déjà pour la deuxième départ, pour Alexis Carrier et matinée, je me suis senti direct à l'aise, que ce soit au libre ou au chrono, étant donné que j'étais déjà venu il y a un mois, petit coup de filou. Et je fais le deuxième temps des essais libres derrière François Doré à 3 dixièmes, je crois que c'est ça. Par contre au chrono, il fait le meilleur temps de juste devant moi et il met une seconde 5, donc je sais pas du tout où est-ce qu'il a trouvé la seconde 5, mais il allait très très vite. Et ce qui est cool, c'est que je fais aussi devant mes deux rivaux. Je fais juste devant Axel, à même pas un dixième, donc ça c'était serré, mais ça va me faire rentrer quand même devant lui en grille. Et Gino dans l'autre groupe fait un peu plus loin, donc c'est bien. Et puis maintenant un peu de repos, le repas, puis place aux manches après. Il va falloir être en forme. C'est maintenant que tout se joue. In all black and we cozy. Can't say you low, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. You know we don't miss a swish. Man, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz. Don't catch my bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this. They don't rock, don't rock, they don't rock. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. Don't catch my bitch. I'm in a couple of my homies, I'm in a couple of homies. Don't gotta put no key in. We on the rise like emo.
Bon, voilà, troisième du championnat, c'était pas l'objectif. L'objectif était forcément d'aller chercher le titre ce week-end. Malheureusement, pour ce qui est des manches, en première manche, je sors mal de la grille et au bout, à Quinsen, quand tu es au milieu, c'est un peu la guerre. Au premier virage, donc je tombe dans la montée et pour remonter en haut de la montée, c'était compliqué. Je pointe 24 ou 25 au premier tour. Je reviens vite juste derrière Axel Bruo qui était 5e. J'avais déjà fait 2 ou 3 tours derrière lui et erreur de précipitation, je tombe une nouvelle fois et je repars 7 et une nouvelle fois je rechute. Donc 3e chute de la manche et je finis finalement 8e. Et pour ce qui est de la deuxième manche, je pars 3 et je prends la tête dans les 10 premières minutes pour y rester un tour. Je me fais doubler par François Doré et après il y a eu une grosse bagarre avec Mordré.
Malheureusement, il me passe dans les deux derniers tours, et ce qui m'empêche d'être vice-champion. Donc je finis troisième du championnat à un point. Mais bon, c'est comme ça, et on apprend de ses erreurs. Je félicite Gino et Axel qui ont été meilleurs que moi. Et puis voilà, et je tiens vraiment à remercier Bastien Guillaume pour toute la saison, pour la moto avec le team, etc. C'était vraiment top. Je pense pas avoir une moto aussi compétitive depuis que je fais de la moto. C'était incroyable comme elle marchait. Et puis après, je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement, que ce soit ma mère, vraiment tout le monde. Mon vidéaste Chico, qui a fait le taf tout le week-end pour me filmer pour toute la saison. Et puis voilà. On verra bien ce que ça va donner pour l'année prochaine, mais en attendant, voilà, je vais faire un petit break de moto pendant un mois pour me remettre, et puis ça ira bien. Et voilà, encore merci à tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui me suivent sur les réseaux, sur les vidéos et tout, et j'espère que le concept vous avez kiffé le concept. Et puis on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao. You just like clubbing and clothes. Me, I like afternoon naps. 3 happy meals for the road. My oldest like counting.